Bonjour les amis, alors aujourd'hui comme nous avons des lasagnes, on va vous montrer comment on monte les lasagnes dans notre collège. Alors pour ça tout d'abord on a déjà préparé une bolognaise, voilà, que vous pouvez retrouver sur mon site ou sur ma chaîne Dimi Coach Cuisine. Et on a préparé aussi une béchamel que vous pouvez retrouver aussi sur mon site Dimi Coach Cuisine. Donc pour ça il n'y a rien de plus simple pour le montage, j'ai besoin de quelques plaques à peau. Donc je prends des plaques à peau, des petites comme ça. C'est simple, je prends une bonne louche. Je mets ma louche, hop, dedans. Voilà, je répartis bien le produit. Sa petite béchamel dans le fond de la plaque. Voilà, alors normalement, je l'ai fait par 8 d'un coup. On met sa plaque dessus comme ça, simplement, rien de plus. Et là, on va les faire par 1 pour bien vous montrer en vidéo ce que ça donne. Voilà, et là, je fais toujours des petits raccords. Ça permet d'avoir de la pâte partout. Simplement, petit raccord ici. Je manque un peu, voilà. Voilà. Une fois qu'on a mis nos béchamel, on met notre bolognaise. Je reprends un peu de l'eau, vous voyez, bonne louche. Ça partit bien, voilà. Très bien, ça a l'air pas mal du tout, ça nous verra. Je pense que c'est bien. Qu'on a bien réparti. Et ben, on met ça, pareil, on continue. Alors soit on met comme ça, soit on peut changer de sens. Clac, vous voyez, et toujours pareil. Je fais mes petits raccords. Hop là, on a un là. Je remets un là. Un autre petit raccord là-bas. Comme ça, on en met partout. Et on recommence. Une petite couche de béchamel, une couche de pâte. Béchamel, pas trop épaisse la béchamel, hein, comme vous pouvez le voir, ça sert à rien, il faut que la pâte elle monte bien. Voilà, un petit peu plus quand même. On répartit son produit et on remet ses plaques à lasagne. Une petite couche de viande et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Donc voilà, donc là en tout on a fait 3 couches de béchamel et on a fait 2 couches de bolognaise. Et donc là on arrive à la dernière couche là. Donc on finit par une couche de béchamel. On répartit toujours pareil le produit. On finit simplement par mettre un petit peu de parmesan par-dessus pour le faire bien gratiner, qu'il soit bien beau, bien bon. Généreux, toujours très généreux. Ça c'est le mot d'ordre. On n'a pas de générosité, on n'a pas de goût. Plus qu'à débarrasser sur mon échelle, puis on cuira tout à l'heure. Bon voilà les amis, maintenant qu'on a fini de monter nos plaques à lasagne, donc là il y en a environ pour 200-210 personnes, on va les enfourner à 130 degrés pendant au moins 1h15, 2h. Alors 130, comme ça cuit doucement, ça permet de pas trop coller aux parois, ce sera pas trop chiant à nettoyer. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Dimi Coach Cuisine. A bientôt les amis.